quoi, frérot? Alors, ça va du quoi, frérot? Ça se passe ou quoi, tout doux? Au calme, alors. C'est comment, tu m'as... Il y a une gare cache dans le quartier, là, t'arrives? Voilà, il y a une gare, un seul quartier à Champigny, au bureau, il y a une gare, c'est au bureau. Voilà, RER E, t'inquiète même pas, il y a même l'autoroute à Teco, c'est carré, voilà, si t'as besoin de quelque chose ou quoi. Voilà. Bon, on va faire quoi aujourd'hui, du coup? Bon, aujourd'hui, là, on va faire une visite du quartier, les Boulereaux, Champigny, je connais déjà, c'est-à-dire, suis-moi. On va commencer par où? On va... Est-ce que tu m'as dit, il y a 4 quartiers dans le... Ouais, dans les Boulereaux, il y a 4 cités, c'est-à-dire, il y a les cités rouges, cités blanches, Boulereaux, les cités jardins. C'est-à-dire, là, on va passer vite fait vers le coin des anciens, aux voûtes. Déjà, c'est à dire que tu vas me suivre. Et du coup, avant tout, je te laisse te présenter aussi un peu. Moi, je me présente, Selim Kachuk, voilà, rappeur du quartier des Boulereaux à Champigny-sur-Marne. Ça fait 2 ans que je suis actif sur YouTube, ma page TSA Industrie. Mais à l'ancienne, j'ai rappé, t'as capté, je rappais en groupe. C'était PLG, ça veut dire tout pour le gang. On a sorti 2 sons sur YouTube. Tu connais, il y a Bino, BI, EKBI, il y a DLT, il y a moi, Selim Kachuk, tu connais. Et de toute façon, je vais t'en parler un peu plus dans l'interview, tu connais au fil du temps. On en parlera plus. On en parlera détail. Plus. Bah là, on va voir Djibra, du côté des voûtes, du côté des Boulereaux. La magie. Tout le cachet-ca. Tout va bien se passer. Vas-y. Ça va? Ça dit quoi, frérot? Allez, bien. Tout va bien se passer, la magie, mon pote. On est où là, du coup? Quel côté des Boulereaux? Là, on est du côté des voûtes ici. Ici, c'est les voûtes. Là aussi, c'est la cité aussi. Donc voilà, comme j'ai dit, je m'appelle Djibra, moi aussi, je fais de la musique. Tout, originaire de Champigny, des Boulereaux. T'as sorti quoi, toi? Précisément. T'as sorti... Pas mal de sons. Pas mal de sons, on a fait des clips, dont avec les gars aussi de chez moi. Donc un avec Marv aussi. Très très lourd, grosse dédicace, big up à lui. Après derrière, on est là, on avance encore, on est dans la musique, comme tous les frères. Tu m'as dit chaque côté... Là. Ce quartier-là, ça a une histoire un peu. C'est une grosse histoire, ça. Vas-y, raconte-nous des trucs un peu qui se sont passés ici. Alors, ici, cette base-là, elle s'appelle Shitland. Je parlais français. Ah, mais c'est rien, là. J'ai pas besoin de te détailler ensuite, tu t'as sur internet, Google, les gars, Google, ça paraît, ça paraît. Tout ça sort. Voilà. Simple et efficace. Ça, n'en dire plus. Juste tu tapes sur Google. C'est ça, hein. Tu verras. Toi, t'as clippé un peu ici, Limka, ou quoi? Moi, j'ai clippé ici. Hein. Ça, c'est un lieu, t'es obligé de clipper. Tout le monde est obligé de clipper. Obligé. Si tu clippes pas ici, t'es pas d'ici. Tu fais ramasser un match ici, ramasser un match. Choka, y'a que ça dans ma tête, y'a que ça, et puis quoi encore. J'ai fait même, j'ai dit merda. Non, j'ai fait merda aussi, pour te dire, dans la tour, 13e étage de la tour. Voilà, c'était bien bengsé. En vrai, t'as vu, les Boulereaux, c'est grand. Les Boulereaux, c'est grand, il y a plusieurs coins. Et ça, c'est le coin où tout le monde était là, en vrai. On m'a dit, c'est plus le coin des anciens et tout ici. Voilà. Ici, et en bas, aux voûtes. Ouais. T'as vu, tu m'as vu sur la barrière, donc il y avait de l'autre côté aussi. On a préféré là, mais de l'autre côté aussi, à tous les anciens. Ma gêné est plus grand. Et c'est comment un peu entre les anciens, entre les plus jeunes et tout, au Boulereau, ça se soutient, c'est comment? Ouais, un bon respect. Oui, on n'est pas de la même génération. Et c'est la famille, ça bouge pas. Voilà. Ça se donne la force. Il y a toujours des codes à respecter. Tant que les codes sont respectés, mais ça donne la force. On se donne la force, mutuellement. Là, c'est la 2, là, il y a la 3. Il y a 4 tours là, carrément, tu vas voir les 4 tours là, regarde si tu vois bien, 4 tours. Ah ouais. 4 tours qui nous entourent. Ces 4, on va se barrer. Voilà. Toi, t'as tourné ici, toi, un peu? Ouais, j'ai tourné ici, avec Brabus. Gros big up à mon refrain aussi. Voilà, gros big up. Dans la tour ici. Symbolique. C'est carré. Voilà. Je fais des placements de produits sur Snapchat. On sait qui, on sait qui fait quoi. Dis-moi pourquoi t'as bois. Créer des légendes aux mecs, ils idolâtrent. Ça parle les troncs, mais j'y pote pour des plaquettes. D'accord. Et là, exactement ici, c'était ramassé un match. Ouais. Voilà. Ah, c'était ton clip à toi ici, ouais. C'était plein d'ici. Tu peux voir des pigeons morts, tout. N'importe quoi, des caméras, ils nous ont salé des bêtises, tout. Des ah caméras. Ouais. Prends-les. Ça fait combien de temps elles sont là, elles? Je sais pas, tu m'en tires un. 7 ans. Ah ouais? Regarde-moi dans les bâtiments aussi. Dans les bâtiments, dans tout. C'est pas pour rien, les gars, c'est pas pour rien. Dire j'en ai cassé, je sais qu'il y en a 5 dans la tour, il y en a 5. Et justement, tu m'as dit que c'était Shitland ici. Est-ce que ça a encore la réputation de Shitland ou ça s'est un peu calmé? Ça n'a pas la même réputation, mais voilà, il y a toujours ça. Voilà. Ça bécrape toujours. Pas de mentir. Voilà. 6 rues et les irréclus, les gars. 6 rues et les irréclus. Si, voilà, ça traînait beaucoup, le, voilà, aussi, ça traînait beaucoup dans les tours aussi. Hein. Ouais. C'est un beaucoup de fondé aussi. C'est vraiment le zbeul. Là, tu arrives au chemin des tours. Voilà, ça. Le chemin des tours. Votre collègue un peu. T'as capté? À l'ancienne ici avant un collège, voilà, j'ai étudié là-bas, tout ça. J'ai pas eu le brevet, mais t'inquiète pas. J'ai eu mon BAC. Mais voilà. Quoi, toi, t'as pas toujours été des Boulereaux, toi?
Moi, non, j'ai grandi à Paname. T'as capté, 75018, Porte de la Chapelle, Maxdo. Pour les gens qui savent, c'est ça, il a déjà fait un interview, t'as capté, ça bouge ouais. Pas sur le sang. Toi, frérot, t'as toujours été des boulereaux, toi? Non. Plus jeune, moi, j'habite à Montfermeil, moi. Ah ouais? J'habite au Bosquet, à Montfermeil. Après, je suis venu ici très tôt aussi. Capté? Et mon film, ça. Tôt. Voilà, les blagues, voilà. Ça, là. Film, ça, voilà. Très méchant à cette époque, voilà. 2016, 2017, c'était très méchant. Alors c'était comment les gars, 2016, 2017, cette époque-là là. C'était notre génération. Ouais. C'était génie, ça. Les gars d'injustice, c'était nous, voilà. Précisément qui de Cheka Cheka. C'était ici. Voilà, c'était ici, c'était incroyable. Voilà, c'était incroyable. À moi, aller checker ça fort, voilà. Avant les souvenirs éparpillés, maintenant que j'ai grandi, les souvenirs n'éparpillent pas. Plusieurs billets bleus éparpillés, deux cents de port et les bandits éparpillés. Sans mytho, nos couillons, c'est les portés. Je fais pas le fémin pour du bif, direct j'y vais. T'as sorti combien de clips toi au total? J'en ai sorti 7, hein. Voilà, Félix Piat, là, moi j'ai même fait un son Félix Piat. On voilà. Va en parler après de toute façon. On va en parler après. Voilà, top. Félix Piat, Ramasse un Max, Jette un œil, il y a Freestyle Alphabet de A à Z. Clairement ce son là de A à Z, je l'avais fait il y a 4-5 ans, t'as capté, mais j'ai sorti un an avant. Et dis-toi, il y a un mec qui l'a sorti, voilà il l'a sorti alors que t'as vu à l'ancienne. Moi j'avais déjà fait ce son freestyle. Ah, explique le concept, c'est quoi du coup? En gros, je sais pas, j'étais en gros, tu connais, avec les gars, tout ça, ça. Tu connais, ça a traîné beaucoup, tout ça, t'as capté. C'est-à-dire que des fois, le soir, on se retrouvait à un endroit. Carrément, l'endroit, il était abandonné, tout ça. C'est-à-dire qu'on était dans un appart, tout ça. Le Coran, je suis parti en impro, freestyle de A à Z. Improvisation de A à Z. Voilà, j'ai même pas bugué une fois. Personne n'a enregistré, mais voilà, j'ai réussi à. Tu connais, moi, dans ma défense, quand j'ai un truc dans la tête, ça part pas. C'est-à-dire que j'ai vite écrit. Et le son, je ne l'ai jamais sorti. Car moi, je l'ai sorti juste là, l'année dernière. Je l'ai sorti. Et il y a un mec, il a sorti, je ne sais pas si vous voyez, c'est qui, Caramba. Ouais, il a sorti. Ouais. Voilà, un freestyle AZ, il a pété. Car moi, un fort, voilà, c'était fort aussi. Toi, frérot, t'as sorti combien de clips? Moi, beaucoup, hein. Et t'as vu là, vous m'avez pris, je suis en train de manger, les gars. Je ne peux pas faire autrement, je suis en train de manger. Ah, tu connais, mon gars, mais c'est naturel, frère. Naturel. Ouais. Bah, en vrai, je ne vais pas te mentir, j'ai fait beaucoup de choses aussi. Ouais. Que ce soit sur du freestyle Insta, que ce soit sur du YouTube, tous ces genres de choses-là. On a fait tous les formats qui voilà, existent. Ça la 16. Racontez quelques petits trucs qui sont passés dans la 16, peut-être. Voilà, je connais moi, cette époque-là, j'étais pas. Tu sais, c'était un putain de point de vente aussi. Il y a eu des clips, ça traînait ici. Ça bouge pas. Voilà. C'est le coin. C'est ça. Il y a des anecdotes, il y en a toujours. Hein. Tiens, racontez-moi un truc de ouf que vous avez vu ici. Que je sais pas. CRS. Une descente de 7 ici, qui a mal tourné. Tu vois. Des hélicos, plein de petites choses comme ça. Mais hormis tout ça, il y a aussi des bons moments aussi, passés, tu vois. Ça fait partie, ça, des bons moments, mais tu connais. Tu filmes, mais t'es filmé. En même temps. Juste ici, là. Juste une là encore, dans les escaliers. Pas pour rien, bien monté, voilà. Regardez, 1, 2, escalier aussi. Il y en a une même dans les poubelles, voilà. Tu racontes pas de bêtises. Ah, ils ont vraiment voulu tout. Tiens, là encore. 4. Voilà, c'est bon. C'est comment le charbon, il a fermé dès que les caméras elles ont été mises. T'as capté ou pas? J'ai dit le prochain bon, voilà, de toute façon, si vous avez besoin de ça, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Il y a toutes sortes d'affaires dans la tête. Disponible la journée, même en soirée. Je l'ai même dit dans le son de boulot, de toute façon, on va en parler après. Ah, on va en parler aussi de ce son-là. C'était le feu dans le bloc, voilà. Clairement, ça va acheter des sacs poubelles, scotch. Ça a enlevé toutes les lumières. Voilà, ça a enlevé toutes les lumières, voilà. Juste avec des sacs poubelles et du scotch. Voilà, le clip, c'est une dinguerie. Voilà, c'était pour le clip. Voilà. Sous-titré en anglais, tout en dessous. C'est vraiment fort, voilà. Il n'y a pas que moi qui kick fort. Hein. Voilà, toute la cité du talent. C'est vraiment fort, voilà. Voilà. Ouais, il y en a beaucoup ici. Il y en a hein. Beaucoup, voilà. Il y a qui un peu? Ils vont apparaître petit à petit. Ouais, on va déjà, en voir. Il y a Marv, il y a Djibra, comme tu as pu le voir. Il y a DLT ou Menez. Beaucoup de personnes. Il y a BI. Il y a Wilkin. Voilà, il y a même Wilkin. Il y a plein d'autres que tu vas voir. Il y a Fof. Il y a même Biki, Fof. Voilà, il y en a encore deux. Au fur et à mesure, pour éviter d'oublier des noms, tout ça. Tu vas en voir. Ah, ça va venir de toute façon. Voilà, tu vas voir de toute façon. Tu vas les croiser dans la cité, dans la cahier. Sinon, au passage, Big Force quand même. Big Force à Limka. Et à son équipe pour ce qu'ils font. Regarde la preuve, ils t'ont ramené à la cité. Maintenant, tu les connais quand même. Ça, c'est la cassave ici. Tu vois cette ligne-là, c'est la cassave. Get les Dodan. Ça coûte BMT 09, Stent. Voilà, ça a trop fait cette ligne. Sans regarder cette ligne. Voilà, sans regarder. Bah, tu connais, comme j'ai dit, moi je suis arrivé un peu après. C'est-à-dire, quand je suis arrivé, il y avait des barrières. Ouais. Mais à l'ancienne, pour ceux qui étaient là à l'ancienne, voilà, il n'y avait pas de barrières.
tu peux arriver au pied de ta tour avec ta galerie. Voilà, il n'y avait pas de barrière, c'était vraiment accessible. Tu as vu, ils ont même créé des parkings. C'est-à-dire tout, tout ça, ils ont tout amélioré. Voilà, ils ont tout refait, ils ont tout changé. Les parcs et tout là. Voilà, il n'y avait pas ça. Voilà, il n'y avait pas ça. Mais t'as vu, ça nous empêche pas de foutre la merde, t'as capté. Toi, avant, t'étais dans le 7-5. Ouais. C'est-à-dire, j'imagine, c'est différent la vie là-bas que la vie ici. Ouais, c'est différent, mais après, en vrai de vrai, c'est, ça reste la même chose, t'as vu. On est tous des humains, t'as capté. On a tous les mêmes besoins et tout. Juste, c'est l'environnement qui change. C'est quoi la plus grosse différence, t'as vu ici? Genre, quand t'arrives ici, quand t'étais petit. Les bâtiments, hein. Ouais, en vrai, c'est les bâtiments. Moi, j'étais plus habitué au camp de rue, t'as capté. Voilà, ça se pose en pleine avenue, pleine rue. C'était pas archi grand, tout ça, t'as capté. Là, ici, il n'y a que des tours. En vrai, tu connais, ça peut se poser sur l'avenue, c'est pas trop grand, tout ça, mais c'est carré. De toute façon, tu vas faire un tour là-bas. Ouais, on va voir. Hein. Tu connais, là, on arrive précisément au bout. Tu connais, là, il y a une boulange, quelques commerces. Et là, c'est rien encore, il y a d'autres commerces. Là, il y a un club 11-15 pour les jeunes, t'as capté. Ils se retrouvent, t'as vu. Au lieu de foutre de la merde dehors, c'est mieux qu'ils aillent là. Et bon, ici, comme on a dit, c'est Champigny, mais c'est à part de Champigny. T'as capté, c'est à part pourquoi? C'est à part pourquoi? Parce qu'en gros, à Champigny, nous, les Boulereaux, c'est, nous, on est la seule cité la plus écartée. C'est-à-dire qu'il y a trois autres cités en haut de Champigny, nous, on est en bas de Champigny. Mais ce qui est bien ici, c'est quoi? C'est qu'on a une gare, on a l'autoroute, on a besoin de rien. Si on veut, on quitte pas. Et si on veut quitter, on quitte. La mentalité, elle est à part aussi, non, ici? Ah, gars, elle est à part aussi. Hein. On peut dire que t'as vu ce que j'ai entendu. Genre les Boulereaux, c'est une ville. Les Boulereaux, c'est une ville. Et toi, on n'a même pas fait un tiers des Boulereaux, pour te dire. Et ouais, c'est quatre voilà. Trucs, quatre tellement cités c'est dans grand, un quartier. Voilà. Vraiment, c'est vraiment quatre cités. C'est archi grand. Mec. Et toi, de là à là, c'est une avenue, pour te dire. Et l'avenue, elle fait quoi? C'est comment? C'est là où il y a tout, c'est... Voilà, il y a tout. Il y a les commerces, il y a tout, voilà. Tu peux croiser tout le monde. Tu peux même croiser les Condé, Tavertier, c'est carré. Ça va jusqu'à où, du coup, les Boulereaux? Genre là-bas, c'est plus en les... En gros, là-bas, c'est l'autoroute, il y a un rond-point. Ouais. Et tout au fond... Tout droit vers la fin des cités blanches, il y a un rond-point aussi, pour te dire. Ok. Tellement c'est grand, tellement c'est long. Bon, sinon, t'as fait un son qui s'appelle Boulereau. Ouais, t'as capté. Comment c'est le dernier son ressorti. T'as voulu transmettre quoi dans ce son? T'as voulu... Voilà, en vrai, c'est... J'ai ressorti ce qui se passe dedans. Toute la cahier. En gros, tout dans le fond, c'est que du réel, voilà. Tout ce qu'on dit dans nos sons, tout ce que je dis, en tout cas, c'est réel. Voilà, je ne l'ai pas inventé. Est-ce qu'il y a une phrase qui est dans le son, qui, je sais pas, qui t'a, que toi t'en retires plus l'attention que les autres. Ouais. Et voilà, c'est à taf, peu importe l'heure ou le jour de la semaine. Ça se déplace pour gros montant ou petit montant, on connaît pas la flemme. Ça taf, peu importe l'heure ou le jour de la semaine. Ça se déplace pour gros montant ou petit montant, on connaît pas la flemme. Ici, c'est comme ça, on connaît pas la flemme. Voilà, ça charbonne. Voilà, c'est tout. Prenez là à gauche, là, c'est Cité Jardin, Cité J. De toute façon, on va revenir après, t'as capté. On n'est pas pressé, pas de panique, PDP. Mais ça, du coup, l'avenue, ça relie un peu tout, non? Voilà, ça relie tout, voilà. Ça relie tous les quatre cités. Et en plus, pour faire des chasses, voilà, t'inquiète même pas, on leur met ça, voilà. On leur met ils ça. Sont comment les keufs des Boulereaux? Je ne pas tranquille, hein. Il y en a, ils sont tranquilles, il y en a, ils font les fous, hein. Je ne pas. Ils font les fous pour rien. Quoi, t'as déjà eu, toi, pendant des clips, un peu des galères ou des trucs comme ça avec eux? Pendant les clips, en vrai, alhamdoulilah, j'en ai pas eu. Mais quand on est à la cité, t'as vu, on est posé, voilà, ils cassent les clips. Pour rien, tout. C'est quoi la plus grosse dinguerie que t'as vu de leur part? Je connais, c'est Haja, voilà. Genre en mode, ça s'encule. Genre en gros, soit eux, ils font les fous, ils nous rentrent dedans, t'as capté. Soit, voilà, des fois, tu connais, tu peux rien faire face à eux, ces fils de pute, tu peux rien faire, voilà. Ils auront toujours le dernier mot, t'as capté. Eh, on se laisse pas faire, voilà. C'est-à-dire le 14 juillet, des beaux événements, quand il y a une bavure et tout, voilà, qu'on en profite bien, voilà. On en profite bien. C'est mouvementé quand même, hein. Il y a des voitures, ça passe. Voilà, c'est vraiment mouvementé. En plus, là, on arrive bien là où il y a tous les commerces. Ils ont même refait la cité. T'as vu ces bâtiments-là, là? Ouais. Là, c'est tout nouveau, frérot. C'est quoi? Voilà. C'est quel côté, ça? De base, ça, c'est les cités rouges. Ouais. Mais ça reste les cités rouges. T'as capté? C'était bien sombre. C'était des briques. Bon, Dylan! C'était bien méchant. T'as dit quoi, Didi? T'es là, tu passes, tu dis même pas célèbre. Bonjour. T'as dit quoi? Bonjour. Ouais. Je présente-toi, Didi. Ouais, moi, je m'appelle Dylan. Ça va? Ça se passe bien ou quoi? 9-4, ouais. C'est carré. T'aimes bien la musique de Limka ou quoi? Ouais, tout ça. Toujours? C'est quoi ton son préféré de lui? Le son, c'est le titre Boulereau. Ah, gars, tu connais déjà, c'est les Boulereaux, ma gueule, voilà. C'est les Boulereaux, c'est la caille pour de vrai. Voilà. Voilà, carrément, ils ont refait ça. Hein. Voilà, ils ont vraiment refait ça. Ouais, tout a été refait ici, hein. Voilà, de base, c'est là les cités rouges. C'est qu'il là, là. Là, là. De base, là, c'est là les cités rouges. Ils ont tout refait, maintenant, voilà. Maintenant, c'est cité grise, hein. Ouais, voilà. Avant, il n'y avait pas d'ascenseur. Là, ils ont fait des ascenseurs. Ah, carrément et tout. Voilà. Ouais, merci. Ça dit quoi, allez-y.
Bon, t'as... sinon, t'as clippé ici, tu m'as dit. Ouais, j'ai clippé ici. Tu vois où il y a le bâtiment qui est construit? Mmh. J'avais fait le clip merda. C'est là-bas où je l'ai tourné. Je suis monté en haut d'une grue et tout. Plus grosse frère du manager hein, quand je suis monté en haut de la grue. Hein. Voilà, j'avais les deux pieds libres, tout en haut de la grue. Je m'accrochais juste à une barre et seulement je cliquais, t'as capté? Clairement, le caméraman, il était cher un poteau. Il a filmé de son balcon et tout. Clairement, reste à lui, voilà. Aussi ici, tu vois là, c'est le germinal là, c'est là où il y a aussi Alpridj. C'est ceux qui ont 15-25. Ils se retrouvent là-bas aussi, ça bouge pas. Je connais des fois. Quand t'as envie de vous là, ça va au père Cagé. T'as fait un son, il s'appelle Félix Piat aussi. Ouais. Pourquoi Félix Piat? Je connais, j'ai fait un petit passage là-bas. Mais ceux qui savent, voilà, les vrais ils savent. Je peux pas trop en parler, t'as vu. Les vrais ils savent. T'as un bon passage là-bas. Les frérots ils nous ont bien accueillis. Bonne équipe. Voilà, grosse force à eux, voilà. Justement, la mentale de Marseille, tu la trouves comment par rapport à celle d'ici? Elle est carrée, hein. Genre elle est carrée, je comprends pas. C'est la mif, tout. Il y a même des babs, tout, des rebus, ils parlent comme au coup, frérot, voilà. C'est Marseille, la capitale des voilà, Comores. Ouais. Voilà, on dirait, hein. T'as dit quoi, frérot? DG? Un bon footé, lui, voilà. Ah ouais. Un bon footé, un bon petit pied gauche. D'accord. Sinon, c'est quoi le meilleur endroit pour Grail ici? Le meilleur endroit pour Grail? Je sais même pas, ça se tape, ça se tape. Il y a là les commerces, tu connais, il y a Oduit, il y a Rapido Pizza. Voilà, il y a Non-Stop, Rapide Pizza, Pizza du quartier aussi, voilà. Pour moi, Antalya, voilà. Antalya Audit, ça se tape. Audit, ça a été fait récemment. Par contre, on n'oublie pas, hein. Rapide Pizza, ça bouge pas, voilà. Vraiment, la cahier, quand même, il y a une pizza qui s'appelle, hein. Voilà, le nom du terrain, frérot. Là, du coup, c'est Cité Jardin, tout voilà, ça. Voilà, Cité Jardin. Mais on va revenir plus tard. Voilà, tu vas voir deux têtes et tout. Voilà, que sur cette avenue, voilà, avenue de la REP, voilà, que tu peux tout voir, mec. Tout voir. Genre toutes sortes de scènes, inimaginables. Là on va passer à un endroit, on va présenter quelques rappeurs. Voilà ça bouge pas. Voilà c'est la nuit, c'est les rêves. Quoi c'est ici ça se pose un peu, c'est comment? Ouais voilà, c'est ici tout, ça se pose. Hein. Voilà, y a tout. Disponible la journée même en soirée, toutes heures d'affaires. Comment ils sont banalisés là? Ouais, banalisés en mode 1. Clairement, voilà, à l'ancienne ils roulaient dans un Passat, c'était la AK. La voiture elle est plus là, c'est la ND là. Bah, c'est comment, il y a d'autres rappeurs un petit peu ici ou quoi? Ouais, d'autres rappeurs, hein. Il y a MH la H, Albata. Ah, viens, montre-le nous, montre-le vas-y, nous. Vas-y, viens. T'as dit quoi, Léger? Beau gosse, voilà. T'as dit quoi, Léger? Léger. Calme. Comment, voilà, comment tu rappes aussi toi, du coup? Tu connais, je rappe. Tu fais, hein, tu connais, moi c'est en esprit, tu connais, je rappe. Mais c'est un Insta ou pas? Rien de sérieux, tu connais pour l'instant. Tu connais, on fait kiffer seulement. T'as sorti quoi, du coup? T'as sorti quel freestyle là? J'ai fait une série de freestyle, je mets sur Insta. J'ai fait 2-3 sons sur YouTube. Ouais. Et c'est tout. Hein. Voilà. Et la page. MH officiel. MH. Ouais. Sur Insta, où on peut trouver sur Insta? MH, tu mets MH, tu vas trouver. Voilà, MH, c'est MH, jamais eu de feat entre vous deux encore? Non, pas encore. Jamais eu, mais tu connais quand on est à la cité, voilà. Instru et tout, ça kick, voilà, ça bouge pas, ça bouge pas. Toi, t'as clippé un peu ici, là, sur la place? Ouais, j'ai clippé carrément le son Boulereau. Carrément, à chaque fois, ça se répète. Ici, j'ai clippé Boulereau. Et même un son aussi, à l'ancienne, t'as vu? Je t'avais dit, j'étais dans un groupe TPLG, tout pour le gang, t'as capté. J'ai clippé là aussi, ici, là. Toi, il y a le Vival, t'as dit quoi, Vicky? Où il y a le Vival là. Ouais, juste ici. T'as capté, c'était là. Ils sont devenus quoi les autres du groupe? Alors ils rappent encore ou quoi? Ouais, ils rappent toujours. Hein. La Big, Carmen, il va pas tarder à arriver. Voilà, il a sorti une rafale de freestyle power. Et après, il arrive avec du rap. Là, il en a sorti deux. Le troisième là, ça sera bientôt disponible. Celui-là, je suis présent, Bresson. Ouais, solitaire. C'est comment? Les gars, ça bouge pas. Luka, pur élément de Champigny 9-4. Voilà, ça bouge pas. Il est là, on est au Sunset Paradise. Tu connais le bar, il était là. Comme tu peux le voir, ils l'ont fermé. Tu connais, voilà, pour les gens de la cité qui savent, ça n'a pas empêché de. T'as capté, faire du ça. Cette nuit. T'as vu là, ça a été refait, comme tu dis. C'était là, ça les se cités voit, rouges. Ça, c'était voilà. Cité rouge, ça. C'était les cités rouges ici. Moi, tu peux voir là, dans même pas 5 secondes, tu vas voir la cabane. Cette fameuse cabane là. Ouais, montre, c'est quoi ça alors? Voilà. Ah, t'attends juste là, t'as tout ce qu'il faut. Juste derrière, t'as tout ce qu'il faut. Oui, au PDP. T'as vu quoi? Léger. Exactement, on est au Sunset Paradise. Fais un tour, ce que tu veux, tu vas le trouver. Quoi, Sunset Paradise? C'est le nom du charbon? Ouais, voilà, c'est le nom du charbon. Mais il est plus actif, t'as capté? C'est-à-dire que c'est un autre endroit. Les gens, ils savent. Ouais, voilà, cool. Carrément, à l'époque du charbon, t'as vu là, tous ces buissons, ils étaient rasés. Mmh. Avant, c'était pas rasé, frère. Voilà, c'était pas rasé. C'est-à-dire que c'était la fête ici. C'est depuis quand que les boulereaux, c'est devenu comme ça, surveiller de partout? Ouais, je mens pas, à chaque fois ça pète des gens et tout. Je pense que c'est à cause de ça, hein. Je mens pas. Alors, ils veulent cesser les bails, t'as capté. En vrai, ils sont là pour ça, mais y a rien pour eux. Voilà, y a rien pour eux.
Là, on arrive au carré, aux cités blanches, ça bouge pas. Toujours posé à Zeuze, voilà, ça bouge pas. C'est quoi, frère? DG, ça joue quoi le son? Calmez, ça joue quoi, Joe? Au calme. Ça joue quoi, School? Ouh, ça joue quoi? DG, ça joue quoi? Il y en a, ils rappent un peu là ou quoi? Ouais, il y en a, ils rappent un peu ici. Hein. Voilà, qui veut faire le tour? C'est HK? Vas-y, on commence par CHK. C'est comment, t'as sorti des trucs un peu, t'as... Même pas, j'ai rien sorti, tu connais. Je rappe pour l'instant, en vrai de vrai. Et tu connais, pour l'instant, je fais que des sons. Voilà. C'est voilà, très, c'est... très fort. Ça va être quand la première sortie, tu penses? Première sortie? En vrai, on va faire le plus de sons, on va prendre le meilleur. Vas-y, lui, il rappe, mais vas-y, il fait crari. Voilà. T'as clippé un voilà. Peu ici, là, c'était blanche ou quoi? C'était blanche, non, j'ai jamais clippé. Si, j'ai clippé Choka ou c'était blanche. C'est plus vers là-bas. Je suis bon, on y va, voilà, le clip aussi, c'était le sbut. Car même là, celui qui va me checker, là, il arrive, il était dans le clip aussi. Voilà. Je crois. C'est quoi un peu les projets aussi qui arrivent? Il y a des sons coffrés, ça écrit. Ça fait un an, t'as vu, j'ai rien sorti sur ma chaîne. Mais voilà que ça arrive lourd, voilà. T'as des trucs de côté, t'inquiète même pas, des sons déjà bouclés. Faut juste les clipper et balancer. Comment ça fait un an, t'as rien sorti, gros? Je mens pas, j'avais la tête ailleurs. Juste, gratte. Il y a des sons que j'ai déjà fait au studio aussi. Je ne sais pas, c'est pour bien sortir des bails après. Des trucs bien méchants. Voilà. Sinon, toi, tu fais partie de TSA Industrie. Exactement. C'est quoi exactement? Raconte TSA un Industrie, peu. C'est temps, style, argent. TSA, c'est temps, style, argent. Je l'ai créé avec le poteau, le manager Zéro. Voilà, il est toujours derrière moi, ça bouge pas. Même toute la série, elle est derrière moi. Voilà, ça se donne la force à fond. Et pour la suite, voilà, ce sera très méchant. Aussi, on m'a raconté un son qui n'est pas sorti. Que t'as fait qu'un américain. Ouais. Je raconte l'histoire parce que. Comment t'es au courant? Ah, moi je suis au courant de tout. La connexion, c'est bien faite. Hein. Je comprends pas. Pourtant, moi je parle pas trop anglais, mais je comprends un peu. C'est-à-dire qu'en gros, comme le manager aussi parle anglais et tout ça, ça veut dire qu'on s'est vite compris, t'as vu. C'était avec qui, si tu veux le dire? C'était. Comment tu l'as rencontré, le gars? Parce que t'as vu, c'est. Moi le mec, c'est je l'ai rencontré au studio. Parce qu'en vrai, c'est vraiment le manager qui a géré ça. Voilà, il a vraiment géré ça. C'est lui, il a fait la connexion en soi. Là, on arrive, on est cité blanche. C'est pas la fin, mais on est cité blanche. Là, tu connais, tu vois le parking là? C'est le parking de la patinoire. C'est-à-dire que si t'as besoin d'un truc, épicerie et tout, voilà, tu viens là, voilà, c'est carré. Alcool, piave, tout, voilà, il y a tout. Y a même du bengue, frérot. Quand là, c'est la fin des. Non, c'est même pas la fin, on peut même continuer encore. J'ai dit là, c'est jusqu'à l'autre rond-point. Pour te dire, là, on est, vas-y, à deux tiers de la cité. En vrai, c'est grand hein, quand même. Voilà, là il y avait un City, là ils l'ont enlevé pour le nouveau métro, t'as capté. Voilà. Nouveau métro. À l'ancienne, je vais dans un City ici. Quel métro ils vont me faire là? C'est quoi? C'est. Voilà. Ah, c'est la ligne. T'as capté? Il y a une qui relie tous les banlieues, carré. Ah, ça va aller jusqu'à ici? La défense. Là, dans les cités blanches. Là, on revient sur l'avenue, t'as capté? Carrément, tu peux même te mettre sur la route là, tu filmes toute l'avenue. Là, moi, elle est archi longue, sa mère. Le rond-point, il est là-bas. On n'est même pas à la moitié de pile poil, tellement c'est grand. Allez, où? Ouais, je parle qu'anglais avec lui. C'est du quoi, chef? Hello. Good morning, good night. Hein? How are you? All good. Very good, I'm fine. Yeah, c'est la caissière, ça va? Tranquille. Get. C'est là, ça sera vitaille ou quoi? Ouais, c'est là, ça sera vitaille, voilà. Comment, voilà que le camp, quand ça a ouvert ici, nous, on était les premiers clients. 106, voilà, 106. Il y a 110. Combien de bus ici? Je vois, il y a des bus. Il y en a 5. Il y a le 110, 106, il y a le 520, il y a le 6 et il y a le 116. Voilà, du coup, on revient là où on était tout à l'heure. Voilà, on revient où on était tout à l'heure. Pleine avenue d'Arrêt. Mais là, tu peux voir, il y a un peu de monde là. Tu connais déjà, ta bouche pas. Là, nos taxes. Tu connais. Quand il caille des fois, je me cale là, voilà. Attends, hein. Vas-y. Abdoul, ça va ou quoi? Aujourd'hui, je cherche pas mon téléphone. Je vais pas t'embêter. Non, je vais pas t'embêter aujourd'hui. Il y a bien les humains. C'est en gros comme c'est dit. Nous, on est en bas de Champigny. On n'est pas relié au haut. On a proximité de la mairie. Mais ici, on a tout ce qu'il faut. On a la gare, l'autoroute, comme c'est dit. On a de la graille et tout. On retourne au point. Je connais, il y avait un artiste, il n'était pas là. Là, il est là. Et je vais te présenter un peu la MIF aussi. T'as vu le son ou pas? Direct, j'y vais. À chaque son, j'ai voulu rien que j'innove. Je suis là pour des loups, pas pour du love. Coup de crosse pour celui qui l'ouvre. On est prêt à kidnapper ta femme pour des sommes. Qui parle à mort. Qui frime et qui s'invente des vies. Si je l'ai fait, c'était pas par amour. Je suis pas rassasié, il me fallait plus de billes. Y'a que ça dans ma tête. Y'a que ça dans ma tête. Ça bosse ici, crois pas que c'est la fête.
C'est comment Doudou, Doudou mon latin. C'est deux rappeurs, pas de synonyme. Comment tu rappes aussi toi du coup? Ouais, voilà. C'est un rap carrément. T'as sorti quoi un petit peu? J'ai sorti une vingtaine de sons sur YouTube. Et là, il y a des trucs qui vont arriver là dans pas longtemps. Voilà, Julie, la série de Grave. Archi méchant. Là, il y a deux freestyles qui sont sortis là récemment. Sinon, j'ai pris 9 freestyles, c'était des coureurs. Et il y en a quoi? Il y en a 9 sur YouTube. Voilà, comme si on avait parlé. Archi méchant, c'est sale. C'est carrément ça. Voilà, c'est quoi? Vous avez commencé à tourner dans la cité, tout ça? Ouais, tout, voilà. On a fait un peu le tour, t'as gâté. Même lui, il a mal au pied, je crois. Voilà, il a mal au pied. Comment c'est nous? Tellement c'est nous. Venez, ça bouge pas, NZ Speed. Le grand ref, voilà. En plus, c'est un buzz day aujourd'hui, voilà. Voilà, c'est fort. Voilà, que du ice. Voilà, anecdote des ténèbres. C'est pas un jour, il y a Raja. Le Coran, il y a une on avait une batte. On a écrit une blague de tout le monde. Le Coran, lui, c'est fou. Là, le grand ref, le fou. Il met sous une voiture de la bague. Carrément, la bague, c'était la DWD. Il la met en dessous. Et qu'on dit une course. Carrément, le lycée où j'ai étudié, il était à 15 minutes. Langevin-Vallon, carrément. Langevin-Vallon. Voilà, il a fait une charge de Langevin-Vallon jusqu'au quartier. En 7 minutes, il était à la quai. Voilà, les condés n'ont pas chopé. C'est connu. La chasse la plus rapide, voilà. Carmon, c'était trop fort. Voilà, c'est là toujours, là, je vais te présenter. Carmon est passé au Cité Blanche. J'avais leur équipe un peu, mais ils n'étaient pas encore là. Je veux dire, là, je te présente, ils vont se présenter, là. Moi, c'est JDB. JDB, hein. Voilà. C'est Manchak, voilà. Je suis connu. Voilà. Lui, il rappe, hein, celui-là. Il rappe, voilà, c'est très méchant, voilà. T'as sorti quoi? T'as rien sorti encore ou... Prochainement, bientôt. Viens, la phrase des ténèbres, la phrase des ténèbres. C'est quand le premier truc que ça va sortir là? Bientôt. Dis-lui, ouais. Voilà, t'es pas tout seul à rapper, il y a les autres aussi. Voilà, il y a la Rafa, il y a qui? Il y a beaucoup qui rappent à la cité. Voilà. Il y en a beaucoup qui rappent à la cité. Voilà. Voilà. Ouais, des bons poteaux. Quoi, c'est que des gars de votre gêné ça ou? Qui se gêné? Bien méchant ce gêné. Bien méchant, voilà. Est-ce que tu trouves leur gêné plus énervé que les anciens? Les anciens, ouais. En vrai de vrai, c'est quoi qui différencie? C'est quoi qui différencie? C'est qu'en gros, ils ont grandi trop vite. Voilà, il y a des petits, il y a des jeunes, ils grandissent trop vite. En plus, t'as vu comment c'est aujourd'hui et tout ça, les réseaux, tout ça, voilà, ils grandissent trop vite. Je mens pas. Non, tu connais, nous on arrive, hein, on n'est pas encore. Et c'est certains petits qui ont vu un peu. T'as capté, ils nous ont vu à l'œuvre. Voilà. Les gens de notre génération. Là, il y a Vos qui va sortir un son sur YouTube. Elle est équipée, la vie. Voilà. Pas de panique, TDP. Chut. Faut du temps, du style et de l'argent. Ah, gars, t'es ça. Là, il en est posé tranquille, son là, il casse les couilles. Pour rien. Bon, là. Voilà. Mais ça va très bien se passer, t'as capté? Là, on est beaucoup. Voilà, c'est pour ça qu'il faut pas les foutre. Voilà, et il n'y a pas que ça aussi dans la cité, il n'y a pas que des rappeurs. Il y a aussi des footés aussi. Voilà, il y en a. Voilà. Voilà, le frérot, il joue à Troyes, Rudy. Voilà, force à lui. Alors, bon frérot aussi, il joue à Saint-Etienne aussi. Voilà, il y a Guingamp aussi. Voilà. Il y en a qui ont bien, il y en a qui ont signé. Ancien footé, là. Ah, toi aussi. Ancien footé aussi, voilà. Mais tu connais, je continue toujours à jouer, t'as capté? Ah, tu sais, quand on fera un faille. Comme si on est passé au chemin des tours et son blast gravé SK, voilà. Ça bouge pas, un bon frérot à moi. Voilà, on est comme ça, voilà. On peut pas décevoir, impossible. Ouais, un artiste, hein, Wilkin. Voilà. Champigny riche. Champigny riche. On veut du cash, on veut du bif. T'as sorti quoi un petit peu aussi? J'ai sorti quelques sons là sur YouTube. Je tape Wilkin, tu trouves. Un bon featuring avec le frérot El Kaïs. Voilà. Sale, voilà. C'était une expérience. On est là, on continue. Carrément, en parlant, voilà, il a fait un son. Carrément, regarde, filme là-bas, là. Rouge sont mes briques. Carrément, rouges sont mes briques. Carrément, ils ont emmuré ici, voilà. Carrément, c'était du sale, voilà, ils ont emmuré. Voilà. Et ça, voilà. Voilà. Ouais, calme, on est là, on fait le truc. Y a jamais eu de feat entre vous deux ou quoi? Ça peut se faire, hein. Je connais, voilà. Il suffit d'un peu de temps, je connais. Mais ça a déjà kické à la cité, comme tu dis. Ouais, voilà, on kick à la cité ensemble, tout ça. Ça bouge pas. Mais voilà, je vais présenter le frérot. J'avais beaucoup parlé du frérot tout à l'heure. C'est Oclo, tu connais, il est Théo Menez. Il a sorti un son sur YouTube, c'est routine. Mais voilà, les sons qu'il a pas sorti, c'est archi sale. Voilà, ça va venir archi fort. Voilà, juste accrochez vos ceintures, soyez prêts. Force à lui cacher. Là, on en arrive, on est au Cité Jardin. Tu connais, là, t'arrives. Richard Fournier, ça bouge pas. Oh! T'as vu quoi les sons? Qui voilà? Ça bouge pas. Toi, t'as clippé un peu ici, toi? Des jardins? Non, j'ai pas clippé au Cité Jardin. Mais bientôt, Inch'Allah, voilà. Ça va bientôt clipper là. Y'a des rappeurs qui viennent de Cité Jardin? Bien sûr. Voilà, il y en a plein.
Il y a Fof, il y a moi, il y a du monde aussi. De toute façon, il y a W aussi. Voilà, il y a le crack. Venez pour ceux qui connaissent, il y a le crack, il y a W. Ces bâtiments-là, ils n'ont pas été refaits. Hein. Ouais, ils n'ont pas été refaits. Hein. Sûrement pas. C'est arrivé. Tu vas voir quand on va arriver de l'autre côté, les blocs, ils sont pas pareils. Ah ouais? Genre, c'est pareil, c'est l'ancienneté, mais ils sont pas pareils. Et tu vas nous présenter qui là, du coup? Justement, là, je vais te présenter, voilà. Des petits bien rapaces. On en a présenté quelques-uns, mais là, je vais vraiment voir un peu leur équipe. Là, je vais voir là, si ça se trouve, ce sera Banks et ce sera bien méchant. Petite anecdote. Je me rappelle ici, j'ai fait une chasse. Voilà, je dois aller sur Paris et tout. Voilà, j'ai fait une chasse. Voilà, ils m'ont claqué ici. Ici aussi, voilà, grosse force à Willy. Voilà, libéré Willy. Voilà, ça a activé le clip, je crois que t'as pas capté ici. C'était voilà, c'était un son afro-trap. Ça doit être il y a 5-6 ans. Voilà que c'était fort. Très fort, très fort. Grosse force. À Kesh aussi. C'est vraiment sorti d'école. Toi, t'as pas fait l'école ici du coup, toi? Alors, j'ai pas fait ici. Comme je te dis, j'ai grandi à Paname. Ceux qui connaissent, primaire Guadeloupe, tout. Voilà, à Torcy. Moi, je suis arrivé ici, j'avais 12 ans. 11 ans, 12 ans. Voilà, après, tu connais. Je connais des frérots. J'ai connu des frérots ici. Voilà, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est les mêmes frérots, ma gueule. C'est vraiment TPLG. Ça bouge pas. Voilà, on est à Bagdad ici. On est là, on va te présenter vite fait, voilà. Ce qui se prépare là, voilà. Vas-y, viens, montre-les-nous un peu là. C'est carré. C'est quelle génération, ceux-là, derrière? Voilà, c'est Géné 06. Voilà, ouais. 07, 08. Super méchant, voilà. Voilà, ça kick déjà, c'est fort. Bon, alors c'est comment l'IMCA? Tu nous présentes un peu les rappeurs d'ici ou quoi? Voilà, tu connais, hein, là c'est la Géné 06, 07. Là je te présentais Fof. Ça va ou quoi? Boulereau, plus petit de la génération des Boulereau. Moi je suis un rappeur des Boulereau. Ça va tout manger, ma gueule. Voilà. T'as sorti quoi? T'as sorti combien de clips? J'ai sorti un son sur Instagram, mais on va pas lâcher, on va continuer à mort. Voilà. T'as clippé aussi sur YouTube, non? Ouais, j'ai clippé, mais ça c'est des anciens trucs, ça. Là on va revenir méchant. C'est voilà. Méchant. T'as fait, où tes trucs? T'as clippé ici? J'ai même, t'as... Ici, voilà, ici, là. Même, ici même, là. C'est ici, ça se passe. Voilà. Bon, c'est quand un feat entre vous deux? C'est la même question pour tout le monde. Mais... Voilà, mais tu connais, voilà. Quand on veut, en vrai. T'as, c'est quand voilà, on veut. Comme je t'ai dit, on clique dans la cité ensemble, ça bouge pas. Voilà, ici voilà, déjà. Voilà, on se sait. T'inquiète pas, ça va arriver prochainement, voilà. Mais tiens, il y avait une question que je me posais. Parce ouais, qu'au ouais. Boulereau, on a vu, il y a un peu de tout et tout, mais il n'y a pas de studio au Boulereau, non? Si, il y a un studio à côté. Ah ouais, t'as capté, un studio à côté. Mais là, il a fermé, t'as capté. C'est-à-dire que ça nous empêche pas d'aller au studio autre part. On peut aller dans le 9-3, dans le 9-4, dans le 9-1, dans le 9-2, Paname, ça bouge pas. Toi, Fof, tu vas où par exemple, toi? Moi, partout, moi. Où y a, je vais, Charenton, partout. Le dernier où t'es allé? C'était à Charenton, moi. C'était lequel? Je suis allé. Je sais même plus c'était lequel, quand même. Ah ouais, dans un sous-sol, façon. C'est pas le dernier où t'es allé, Limka? Moi, le dernier où je suis allé, je crois que c'était 50K, voilà. Le dernier où je suis allé. Car il y en a d'autres qui rappent un peu là, parce que je vois, il y a du monde. Ouais, voilà, il y a JBB là. Voilà, bien te présenter, voilà, bien te présenter. Ouais, chef qui vient là, voilà. Voilà, viens. Méchant aussi. Toi, t'as sorti des trucs un peu, toi, ou pas? Non, mais pas. Moi, que des sons comme ça en exclu. Après, plus tard, ça va être que je connais. Ouais, ça arrive lourd. On va tout manger. Voilà, cette année, on va tout manger, les gars. Ça veut dire que vous êtes de la même génération, vous trois? Ouais, même génération. Hmm, toujours ensemble, toujours au boulot. Voilà, toujours au boulot, c'est toujours ça. Vidéo, quartier. Ça veut dire, c'est quoi qui vous a donné envie de rapper? Est-ce qu'il y a les générations d'avant un peu qui... C'est grand, voilà. Voilà, j'ai dit, t'es PLG, ma gueule. Voilà. De vol à l'état là. Ah oui.
C'était qui les premiers à rapper même au boulot? En vrai, les premiers à rapper, c'était les anciens, t'as capté. Voilà. Il y avait des Minus, voilà. Des Kamikazes, des Marv. Et carrément, Marv, c'était le plus jeune d'entre eux. Carrément, Libérez-le, voilà, il est au star. Voilà. Voilà, archi fort celui-là aussi, voilà. C'est un grand archi fort quand même. Voilà, il kick de baiser. Et entre vous, vous avez pas fait de feat? Non, pas encore. Non, pas encore. Il y a un autre rappeur, viens chez Kilani. Ouais, je viens, viens, Rafale, viens, 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 viens. Il fait crari, là, il fait la tismée, là. Lui aussi, ça va être la Rafale. Ouais, je présente toi en deux spins. C'est la Rafale. Voilà. Voilà, j'ai des 0,5. T'as dit. Voilà, c'est méchant. Ah, frère, faut libérer Marv, hein. Meilleur rappeur de la ville. Meilleur rappeur de la ville. Ça fait combien de temps il a béton, lui? Ça fait 7 mois. Mais en gros, libérez-le. Voilà, libérer c'est tout le monde, voilà. Marre, vraiment libérer tout le monde, voilà. Fort, ici sa vie, ça je décrypte ton psy, on reste debout, on n'a pas de champion, c'est limite, je vois en ville sa mort, après c'est 50 balles, c'est mon kit de raze. Des malades égales, des malades qui mal, c'est noir, putain de sa mère, on va s'y faire. Je suis au cala, avec mon jacou, il a rodave un bolos, nous on l'arrache, y'a pas de pitié. On a faim, mon poteau, on veut manger. Qui veut gazer sur ma mère, on le déma. Qui veut gazer sur ma mère, on le déma, y'a pas de frein, en fait, embrayage, on y va. Là tu connais déjà, tous les jours mon poteau le danger. Toi t'as donné ton cul pour manger, dis même pas tu me connais sinon je vais te cogner. Là mon poteau, là c'est trop chaud, dans la cahier chacun il porte ses couilles. Là mon poteau, là c'est trop chaud, dans la cahier chacun il porte ses couilles. T'as un gros con mon pote tu vends la caille, c'est pas pour toi va ouvrir tes cahiers. C'est pas pour toi va ouvrir tes cahiers, c'est pour faire la boulot je me vois dans un cahier. Putain de cahier. C'est quelle génération ça? Faut dire c'est quelle génération. 06 06 06 06 06 06 06 Frérot, histoire de terminer, j'ai la toute dernière question de la vidéo. Celle-là, c'est toujours la même tout le temps. C'est quoi ton équipe de foot préférée? L'équipe de foot préférée, c'est Real de Madrid, voilà. Non, ça bouge pas. Bon, c'est carré, voilà, c'est quoi? Je fais pressing devant, c'est moi KB9. C'est mon gros d'art qui sert la peuple. La cahier, c'est GTAV, c'était une live. Voilà. Bon, c'est quoi tes réseaux qu'on te suive aussi? Bon, mes réseaux, voilà, j'ai Snap, LIMK-Duba, Lamala, LAMALA. Tu connais, je me suis sur Insta aussi. Voilà, c'est Nim Kachuka, Chuka plutôt. Chuka, tiré du bas Chuka. Et voilà, tu peux nous suivre aussi sur YouTube aussi, PS Industrie. Voilà, ça bouge pas. Tu mets Nim K aussi, ça bouge pas. Tout est bon, merci beaucoup frérot en tout cas. Voilà, en tout cas, grosse force à toi aussi. Voilà, ça fait plaisir que tu es passé au quartier. Voilà, ça bouge pas. Voilà. Merci bien. Voilà, à Zuzu. Voilà, carrément, là, on allait se casser, mais voilà, on a croisé le frérot. Obligé de passer par lui. C'est comment? Ça dit quoi, petit ref? Bien quoi? Doudou? Voilà, au calme. Voilà, ça va encore. Ça bouge pas. On est là. Voilà, Yuri. C'est important, c'est important, c'est important, c'est important, c'est important. La force. Regarde. Ouais, ça capte des bécanes. Même bras cassé, ça te lève une bécane. Pas de panique. PDP. Boulereau champigné, ma gueule, voilà. C'est le boulereau, fils de pute. Léger. Je suis dans la 2, 3, 4, 16. C'est toujours le même, ça tu le sais. On sait qui dit faux et qui dit vrai. En gros, c'est la cahier pour de vrai. On est posté sur le point de vente, qu'il fasse beau, qu'il pleut ou qu'il neige. Toutes les affaires, ça part en guerre. J'ai le chocolat avec ça dans ma tête. Tu peux me voir bourré la veille. Le lendemain, râler sur le R. La mentalité, on l'a, ça date pas d'hier. Ça sort des armes pour se faire niquer après. C'est précis, y'a jamais d'à peu près. Je suis le pressing devant, c'est moi KB9. C'est en rodaf qu'on viscère la peuf. La cahier, c'est GTAV sur Time Life. Pas de bourbier, tout est OP. Pas d'horaire fixe, tout est OP. Râler de la veille, je pars charbonner. Râler de la veille, je pars charbonner. On est le genre de mec qui recule devant rien. Rien, 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 impossible. Eh, on est le genre de mec qui recule devant rien. Rien, attends des démissions, impossible. Sur le Hazi, plus de 22 équipes de chemin qu'ils ont tourné là. Rue et Zébis, on connaît bien. Traîner comme pas possible. On est sur le Hazi, midi, minuit. On est sur le Hazi, midi, minuit. C'est moi qui dois vivre la Mecca. Qui doit vivre à la Meca. Y'a des Yankees qui sont bizarres. Y'a des Yankees qui sont bizarres. Je leur dis que c'est le dernier bout qu'il y a. Mais il fait que de rouspéter. Comme si c'est moi qui grattais dessus. Mais c'est pas moi qui gratte dessus. C'est peut-être le gérant qui fait mal ça. Je vais encore manger. J'ai des idées malsaines. Le besoin de Chuka nous rend malsains. Alors de base on voulait pas l'être. C'est le monde à l'envers. C'est des gros salopes. Elles nous font les seins. J'ai baisé sur le canapé. L'été en levrette. T'es donné son cabri. Qui veut baiser dans la cité. Y'avait les Condé et la Cani. Tu sur le terrain. Récupère. Y'a la tête du réseau. Qui est là, tu vas faire bénéfice, il est là. Jamais de la vie, je m'arrêtais là. On est le genre de mec.
qui recule devant rien. Mission impossible sur la Asie. Les 22 équipes de chemin qu'ils ont tourné. La Russie qui se connaît bien. Tu traînais comme pas possible. 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 Tu traînais comme pas possible.